déjà en difficulté cette saison en Ligue 2, Auxerre, 16e, et l'AC Ajaccio, 18e, ont connu une sacrée déconvenue ce samedi. Le club bourguignon et son homologue corse ont été éliminés au 7e tour de la Coupe de France, lors de leur entrée en lice, par une formation de N3. L'Aja a cédé sur la pelouse d'Angoulême, 0-1, tandis que l'AK a chuté à Alès, 0-2, victime d'un doublé de Mouzaoui. Une autre formation de L2 a subi la même mésaventure, toujours face à un adversaire de N3, Béziers. Les Biterrois menaient pourtant 1-0 jusqu'à la 78e minute de jeu, avant de craquer contre le Canet Roussillon, 1-2. Sochaux s'est fait peur, Clermont aussi. Sochaux aurait pu suivre le même chemin, après s'être fait peur sur la pelouse de Haguenau, N2. Alors qu'il menait 3-1 à la 87e minute de jeu, le club d'Oubis a en effet été contraint à la prolongation, où il s'est imposé 4-3. Une autre équipe a dû attendre la prolongation, Clermont, Haguenau, 3-1 à P. Châteauroux, de son côté, a souffert à Fontenay-le-Comte, N3, pour s'imposer 3-2. Nancy s'est offert une bouffée d'oxygène à Annecy, N2, en gagnant 1-0. Orléans a dominé l'avant-garde caennaise, R1, 2-0. Nord a battu Jaurès, N3, sur le même score, 2-0, tout comme 3 contre Compiègne, R1, et Lens face à Nogent-sur-Oise. Le Havre a écrasé Gamache, R1, 7-1. Brest a fait tomber Redon, N3, sur le score de 4-1, alors que Grenoble n'est pas tombé dans le piège de Beaune, R2, en gagnant 3-0. Signalons, pour finir, la victoire du SC Bastia, N3, face au Mans, N1, 2-1.